Salut tout le monde, c'est Lichable et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 ou 6 je crois, 6 de mon let's play sur Assassin's Creed Brotherhood. Alors au programme on arrive dans un espèce de tombeau à caractère assez chelou. Voilà, donc j'ai eu quelques problèmes pour lancer le record, je sais pas, j'ai eu quelques problèmes, je sais pas, le menu s'en sait pas bien, on avait la musique du menu pendant que je jouais donc j'ai dû recommencer. Alors apparemment on recommence dans cette espèce de tombeau un peu casse-couille qu'on avait dans le 2. Alors apparemment il faudra passer par là, enfin, c'est ce qui me paraît le plus probable. Ouais. Ok, ouais. Et... Ok, ouais. Et merde, c'était pas ça. Donc je ne tombe pas à l'avance, donc si je me craque et si je prends un peu de temps, c'est normal. Parce que j'ai pas tourné le jeu. Donc pour l'instant, le let's play, je trouve, a plutôt des bons reviews, comme on dit. Ok, ouais. Ça se passe plutôt bien, vous appréciez plutôt. J'ai pas mal, enfin, j'ai pas mal de vues, j'ai une vingtaine de vues, mais pour un let's play, c'est pas mal. J'ai pas mal de pouces verts. Enfin, bref, c'est cool. Ça me fait plaisir que vous appréciez tout ça. Donc on va avoir un épisode de 20 minutes comme d'habitude. Par contre ça avance, c'est sûr qu'en faisant des épisodes de 20 minutes, le jeu avance moins vite que dans le 2 où je fais des épisodes de 30 voire 40 minutes. Mais bon c'est vrai que comme j'ai dit dans le dernier épisode, c'est plus question upload, c'est plus pratique de faire des épisodes plus courts. C'est plus pratique de faire des épisodes plus courts niveau niveau comment ça s'appelle, niveau upload et niveau temps pour moi. Alors. Ok. En fait, le but c'est d'inonder la salle ou quoi? Alors. Ça se voit quand on doit passer par le mur quand même. Hein. Faut bien qu'on le remarque. Il y en a encore deux à faire, des espèces de petits leviers. Donc voilà. Donc ça va, le tombeau d'assassin n'est pas trop chiant pour l'instant. Mais de toute façon, s'il y a d'autres tombeaux d'assassin à faire, je les ferai hors caméra comme je faisais sur le let's play du 2. Donc pour l'instant, est-ce qu'on est déçu du jeu? Non, pour l'instant le jeu est bien. Enfin, on n'a pas eu grand chose. Je préfère quand même pour l'instant le 2. Au niveau des bastons, je trouve là c'est trop simple de buter les gardes. Enfin, c'est ce que je trouve. Alors, là, par où on va passer? Telle est la question. Le dernier est là-bas. Pour faire le tour en fait. Oh putain le coup. J'ai cru qu'il allait tomber. Il faut refaire le tour je pense. Parce qu'il n'y a pas d'accès par là. Pour l'instant on n'est pas déçu. Enfin personnellement je le trouve bien pour l'instant. Comparé aux deux il est moins bien pour l'instant je trouve. Niveau de la ville de Rome pour l'instant on l'a vu. Et en fait j'ai eu des gens qui m'ont dit que ça se passait uniquement à Rome. Donc direct que ça m'a un peu refroidi. Enfin ça m'a pas refroidi mais j'ai été un peu plus déçu parce que... Le charme du 2, c'est qu'on changeait tout le temps de ville, quoi. C'est ça qui était intéressant. On a fait quand même, enfin, tout le temps. On a fait Venise, on a fait Florence, on a fait la villa, on est allé en Toscane, on est allé dans les montagnes, on a fait une autre ville avec les remparts, là où il y avait eu un assaut. Ouh là 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 là. On a fait ça, on est allé un peu à Rome à la fin. Enfin, bref, on a beaucoup voyagé et ça c'était le plus important. Pour vous attraper. Ouais, mais ça, je sais déjà faire. Alors. Ah oui, c'est de l'eau, donc c'est bon. Ah, il y a des loups. Bon, on va pas suivre ce que les mecs, mais apparemment, il y a là. Genre, on peut pas monter, quoi. Oh là là. C'est cheatay. On va aller voir par là. Ok. On va rester un peu en vision d'aigle. Voir si on a besoin de trucs. 1 sur 100, drapeau Borgia retiré. Ok, donc ça sent la quête comme des plumes. Faudrait que je reste sur internet ce que ça fait quand on fait les quêtes des plumes. J'ai aucune idée. Alors.
Alors. Ok, il faut passer en hauteur. C'est pas par là qu'il faut monter. Il y a bien un endroit où la perche pour sauter est plus basse. Ok, il faut faire le tour. Non. C'est pas là. Je crois que j'ai compris ce qu'il faut faire, mais je suis pas sûre de moi. En tout cas, je crois qu'il faut faire le tour, qu'on saute par-dessus une grille. C'est-à-dire celle-là. Voilà, je crois que c'est ça. Vous allez me dire, je suis presque sûre même, maintenant qu'il y a ça. Parce qu'il faut passer au-dessus de la grille, après on va faire le tour tranquillement. Voilà, et voilà, on a la suite du parcours qui se révèle. Donc là, il va juste falloir suffire de tourner. Ça, on a déjà vu. Voilà, tranquillement, à base de tranquillax, comme dirait un mec comme Fatal. Hein. Ouais. Ok. Je comprends le délire. Ok, ok ma gueule, c'est bon. Et hop, on se balade. On se balade comme on dirait. Là, on saute sur le truc. Et voilà, mais c'était easy, c'était hyper simple comme on dit. Et voilà, on y est. On va pouvoir actionner le levier. Si moi je dis qu'on est pas malin. Si on n'est pas puissant, si on n'a pas le swag avec notre petit Ezio. Je crois que dans la suite, c'est-à-dire la série de révélations, Ezio devient vieux. J'ai essayé de me renseigner un peu plus sur l'histoire, c'est-à-dire du 1. Je relire des résumés du 2 et du début de Brotherhood. Comme ça, je vais bien être l'histoire dans la mémoire. En tout cas, on arrive dans un espèce de tombeau chelou. Je pense qu'on va voir d'autres loups. Ouais, non, ça va être chaud quand même. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas eu les petits frises qu'on avait avant. Oh yes. Je sais pas, y'a... Vous avez entendu vous aussi? Il y a le bruit de comme quand il y a un coffre qui est pas loin. Je trouve qu'il y a quelque chose ici. Oh bah voilà. Je l'avais bien entendu. Par contre, pour moi, pourquoi il y a ces petits numéros et ces petits numéros qu'il y a autour, il y a aussi... Ouh, la bague. Il y a aussi ces petits numéros quand on fait des fights avec des soldats. Alors. Il y a probablement un endroit par lequel on va devoir passer. Après, lequel c'est? À mon avis, il faut remonter là. À mon avis. Et après, on n'a plus qu'à sauter sur les poutres ici. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, je commence à comprendre un peu le mécanisme, hein, parce que dans le 2, il y avait des moments... Alors... Dans le 2, il y avait des moments, je me rappelle... Oh là là, je galérais. Quand je faisais hors vidéo sur les tombeaux, là, le tombeau d'assassin pour récupérer l'armure d'Altaïr qu'on s'est fait chourave au début, là. Vous vous rappelez quand... je galérais dans les tombeaux bref du 2. Et d'ailleurs, l'armure d'Altaïr qu'on s'est fait pécho un peu, hein. On s'est fait pécho seulement. Je crois qu'il faut continuer sur les poules. Donc une fois qu'on est en l'air, autant rester en l'air, c'est toujours mieux. Ah merde, bon bah j'ai la synchronisation totale. Ok, bon bah. Synchronisation totale est un échec. Il faut probablement passer par les hauteurs là, ça se devine. De toute façon, il faut toujours passer par le haut. Ah merde, le con, quel bug de souris. Ta na 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 na. Allez, monte, petit Ezio Auditore. Alors voilà. On continue. Poum patim patoum.
Est-ce qu'on va revoir les hommes loups? Oh le con, j'ai cru qu'il allait tomber. Oh le con. Est-ce qu'on va revoir les hommes loups? Telle est la question, mais je pense qu'ils sont derrière quelque chose. Ils doivent peut-être être embauchés par les Borgia. Et voilà, on commence à comprendre le mécanisme. Voilà, on se décale. Posey, 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 baby. Voilà. Ok, donc le levier est par là. On va aller l'activer. Oh, espèce de con. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, tu montes en haut. Voilà. Non, tu pourras. Bon, à vrai dire, on s'en fout un peu du levier. Voilà. On s'en fout un peu du levier, on en a pas besoin. Ouh là 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 là. Et là, putain, il doit avoir... s'est bien fait péter le cou, le mec, là. Hein. Une chute comme as. On n'en survit pas tout le temps. Ouais, mais non. On doit passer par au-dessus. Qui dit passer par au-dessus, dit emprunter ce escalier chelou. Mais on n'a pas moyen de le prendre plus rapidement, donc je pense qu'il va falloir passer par là. Voilà. Là, c'est d'où on vient, non? Non, je sais pas où c'est. Alors là, mais je suis en train de passer par des endroits, mais je sais pas du tout ce que je fous. Oh le con, fallait passer par le côté. Eh ben c'est pas qu'ils sont casse-couilles, mais un peu quand même, hein. Voilà. Voilà, on se décale, on se décale, on se décale. Ah là là. Mais en fait, moi, ce que je pense que je préfère le plus dans Assassin's Creed, c'est les villes, en fait. Franchement, quand je repense aux deux, c'était tellement... Même quand on... Je sais comment remonter. Ok, ouais. Quand on repense aux deux, quoi, mais c'était... Ok. Quand on repense aux deux, c'était rien que se balader dans la ville, c'était le truc le plus agréable, quoi. Voilà, on va choper le coffre qui est là-bas. Parce qu'on l'a vu. Oh, puis non, la flemme. On s'en fout des coffres. Enfin, va bien. Il va falloir les prendre. Checkpoint atteint. Là, on regarde s'il n'y en a pas. Un drapeau Borgia. On va aller le récup. C'est toujours ça. C'est montré qu'ils ont moins de puissance dans le game. Oh, mais il est chaud à récupérer. Allez, la flemme. Oh là là, il faut monter. On n'a pas envie de monter, quoi. Ah bah, c'est... dans tous les cas, faut monter, je crois. Je peux pas fouiller le cadavre. Alors, les poutres, où commencent-elles? Pas par là-bas, c'est sûr. Elles commencent... par ici. Gna, gna, gna. Je suis le chemin, en fait, pour savoir par où il faudrait passer. Peut-être par là. Non, pas par là. Peut-être par là. Ah non, par là, je suis con. Je suis un peu entubé. Voilà, en fait, il faut faire ça. Voilà, c'est bon, on a compris. Mais c'est vrai que ça demande un peu de réflexion. Parfois, enfin, pas tellement, si je suis con, mais bon. Alors, on monte. Voilà. Pouf. Voilà. En plus, à mon avis, on va pouvoir aller au drapeau Borgia. Putain, j'ai cru qu'il l'aurait pas, ce coup. J'ai cru qu'il ne l'aurait pas. Ça, c'était sûr. Ce sera utile en cas de chute. Voilà, ça, c'est toujours ça. Il y a un truc qui tombe au cas où.
on tombe pour pas se retaper tout le parcours à faire, quoi. C'est vrai que sinon ce serait chiant de recommencer tout le début, mais je me rappelle c'est comme ça dans les tombeaux Cthulhu. Bon, ça, ça change pas du 2, les tombeaux chiants. Ça, ça change pas du 2. Non, ça sera déconné, c'est sympa à faire, mais c'est vite répétitif. C'est vite répétitif. Ok. J'avais vu comment aller récupérer le drapeau. There is no turning back, comme on dit dans le milieu. Ah non, je saurais comment remonter encore une fois. Parfait. Si je tombe, je passerai par là. Alors, on a dit que là, c'est trop loin. Là, on peut pas sauter. Par contre, là... Oh putain. La petite frayeur habituelle. Allez, hop. Et hop, méga traction de la vie, de la mort. Putain, il faut encore monter. Mais non, mais attendez, le drapeau, il est pas par là. Bon, qu'il faut aller à gauche ou à droite? À gauche, on veut le drapeau. On n'est pas loin du tout, on l'aura. Il y aura juste un petit bout de chemin à faire au retour, c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est plus pratique de passer par là, on va pas chercher. On ne va pas. Oh putain, 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 putain. Arrête de faire le con dans les débris. Voilà, tourne. Parfois la souris ne veut pas tourner, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Hop. 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 On se décale tranquillement. Bon, de toute façon, avoir tous les drapeaux bordiers, on sent la mission impossible. Hein. C'est comme les plumes. Je sais pas si quelqu'un a déjà réussi à avoir les 100 plumes d'Assassin's Creed. Mais quoique, vous voyez, comme quoi, dans Assassin's Creed 2, avoir les plumes, c'est pas si chiant que ça parce que c'est tellement agréable de se balader dans les villes. Emparez-vous du trésor des adeptes de Romulus. C'est bon, c'est ce qu'on va faire. Un peu de thune. Tomate. Putain, mec. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir les tomates, sérieux? Oh là là. Je sais pas ce que c'est des reliques ou je sais pas quoi, mais bon. C'est vrai que c'est bon d'avoir des tomates. Putain, mais y'a que ça en plus. Y'a que des tomates, 180 francs, c'est nul, 180 florins. C'est un peu inutile. Ok, y'a un moyen de retour. Ouh, j'ai des tomates, c'est génial. Il y a intérêt à avoir un truc badass dans celui de la fin. Allez, un truc badass, allez, s'il vous plaît. Non, c'est nul, c'est une lettre. Je suis un mur de ma famille, l'une des plus belles jamais conçues. Celui qui la trouve épuise la force de combat. Changement d'écriture. Et caché derrière la porte, si clés sont nécessaires pour l'ouvrir, elle a été répartie entre nos frères. On dit que l'armure est l'héritage de Romulus, il la vénère comme telle. Zoomer pour voir les données graphiques. Ok. Alors, ça sent la même mission que dans le 2, en fait. Toutes les armures sont... les clés permettent d'accéder à la salle de trésor secret des adeptes. Ouvrez la carte pour localiser. La carte, c'est où déjà? Aucune carte disponible. Bah oui, 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 j'ouvre la carte. Alors, ça sent en fait la mission comme dans le 2, c'est-à-dire qu'en fait on a des tombeaux à trouver pour récupérer une putain d'armure badass. Et ça c'est cool, parce que dans le 2 on avait l'armure d'Altaïr, et là à mon avis on aura une nouvelle armure, l'armure de Romulus comme ils disent. Bon, je jure pas mal par Assassin's Creed 2, mais bon c'est parce que c'est le seul que j'ai joué, hein. J'ai déjà joué chez les potes à d'autres, j'ai pas joué au 1. Je sais pas, peut-être que je ferai le let's play plus tard. Ce serait un peu con de faire le let's play du Assassin's Creed 1 après avoir fait le 2 et Brotherhood, The Road, mais bon, on sait jamais. Alors. Les adeptes de Romulus. Voilà, Machiavelli. Cette bande de prétendus païens terrorise la ville depuis plusieurs mois. Tout cela pour ramener le peuple dans le giron de l'église. Très astucieux. En effet, les Borgias sont de connivence avec eux. Mais je ne puis le prouver. Voilà pourquoi cette lettre est si importante. La voici. Il ne te reste plus qu'à la déchiffrer. Cazzo, encore un de ces codes. Nous aurions dû pouvoir la lire. Ils se servent d'un code pour communiquer. Sans code, c'est illisible. La logique n'est pas toujours le seul moyen de gagner une guerre. Andiamo. Si nous avons des alliés dans cette ville, je dois les voir. Suis-moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Il vient de nous dire que, comment ils s'appellent? Les adeptes de Romulus, voilà, donc les mecs en loup, ils sont de mèche avec les Borgia, et qu'il faut qu'en fait, on les...
revenu dans 50 francs toutes les 20 minutes, cool. Ce qui fait que il faut faire gaffe à eux parce que tout le monde est mèche avec les Borgia un peu, dont les trucs de Romu. Bon, c'est un très bon moment pour se laisser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce let's play, ces vidéos, mes vidéos sur Assassin's Creed Brotherhood. J'espère qu'un jour on aura du beau temps comme à Florence, à la nostalgie. Enfin voilà, sur ce, j'ai pas grand chose à vous dire. À part contre, on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.